Prudhomme, un tir de loin qui rate la cible. Ça revient à Bullens. Bullens, son tir à lui, il rate également la cible. Prudhomme s'avance pour garder disque en territoire offensif, mais perd attention, c'est Ponzetto en contre-attaque. Une belle transversale de l'autre côté, un tir bloqué par Fernandez et la rondelle qui revient. Zotto avec le disque. À la pointe pour Schultz. Schultz, quelques fins, mais beau travail de Vermette. Attention, 2 contre 1 avec Vachon. Vermette rendu côté gauche, son tir, l'arrêt. Le gardien de but, Jack Milner, qui sort la mitaine et empêche Emmanuel Vermette de marquer à son retour au jeu sur un bon tir. McKinnon à Catafor. Au cercle pour Lévesque, c'est intercepté par Morin, mais Catafor reprend. Catafor derrière le filet, revient, son tir bloqué, aucun retour n'est donné par Fernandez. Alors qu'on Wong patine au cercle, envoie à Derwisso. Permutation avec Wong, Derwisso amassé à Derwisso. Dans l'enclave pour Morin, son tir s'est bloqué, la rondelle revient, dégagement annulé par Morin, le tir et le but! En avantage numérique! Alexis Morin qui marque déjà son 6e but de la saison. En 7 matchs. Et... Armstrong dévie en territoire des Mooseheads. Lecomte veut venir récupérer. Lecomte est frappé. Guité reprend. Envoie dans l'enclave pour Berthelot. Berthelot veut tirer. Deux fins de tirer le but. Quel but! Les Sacks prennent l'avance. 2-0 grâce à Christophe Berthelot. Son premier but de la saison pour le numéro 8 des Sags. Un beau travail en échec. Ralenti, Bullens qui est là. Panocha. Ça revient à Phillips. À Furlong. Furlong au cercle. Un tir bloqué par Fernandez. Et la rondelle revient. Ensuite, du côté des Mooseheads à Furlong. À Phillips, deux feintes, veut envoyer dans l'enclave, beau travail de... Envoie vers le centre pour Duquette, c'est intercepté, ça revient à Wong. Wong quitte lui-même le territoire et s'en va en territoire offensif. Alex Wong, deux feintes, une passe dans l'enclave pour Vermette, deux feintes, le tir, l'arrêt de Milner. Et c'est encore une fois du territoire. Lecomte perd la rondelle, Phillips à la pointe droite. Phillips envoie devant, la rondelle qui revient, l'arrêt de Fernandez. Et... qu'on nous remonte la reprise ici. C'est Kilfoyle qui a envoyé devant pour Fontaine et la rondelle est en territoire des Mooseheads. Longue passe que Benzetto veut venir reprendre. Wong, son dégagement, c'est annulé par Schultz. Beau travail de Massé, 2 contre 1 avec Derwisso. Massé, son tir bloqué. Aucun retour n'est donné par Milner alors qu'il y a bousculade vu par Desrosiers qui vient le frapper. Le disque s'en va vers Catafor. Catafor rejoint par Wong. Schultz, un tir de la pointe qui dévie la rondelle et le but. Un tir dévié devant le filet par le numéro 12, Brody Fournier. Et les Mooseheads d'Halifax qui réduisent l'écart 2-1 avec 9-0. Disque qui est récupéré. On envoie la pointe pour Schultz. Schultz, sa passe qui rate. Desrosiers qui est là. On envoie de l'autre côté. C'est repris par Catafor. On envoie devant, deux fins de tir et le but. Vidicek qui crée l'égalité avec 6,54 à faire en troisième période. Deuxième de la saison de Marcus Vidicek. Son jeu remporté par les Mooseheads. Un dégagement qui est annulé par Bullens qui laisse à Vachon. Belle feinte de Vachon. Laisse pour Armstrong. Ça passe capté par Vachon. Son tir, le disque est libre dans l'enclave. Qui laisse à Duquette. Emile Duquette veut utiliser toute sa vitesse et il est parti. Duquette, rentre du côté droit, veut couper dans l'enclave. Duquette à Bullens. Deux feintes à Duquette, le tir et le but! Victoire! Les Sags! Quel bon jeu d'Emile Duquette! À Pederis Bullens, qui retourne l'appareil à Emile Duquette. Et en période de prolongation, les Sags l'emportent 3-2.